Je suis là. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre tranche matinale 50. Bonjour. Et comme d'habitude, comme tous les vendredis, nous allons vous tenir compagnie près jusque vers 10, 10h30 au plus tard dans cette tranche matinale avec les mêmes habitudes, c'est-à-dire de la gaieté, du divertissement donc, mais aussi des informations, de la culture et tous les restes. Et ce, à travers nos différentes rubriques, en commençant par Escale sur le net, les deux versions avec Rufus Lukanga, c'est-à-dire ce qu'on a réalisé comme chiffre, tout ce que vous avez déposé comme commentaire sur nos différentes pages, mais ensuite ce que les autres médias ont raconté sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité en ce moment? On va en discuter avec vous ici dans 50 Bonjours grâce à Rufus Lukanga d'Escale sur le net. Ensuite, nous aurons Jean-David Kilolo. Lui, s'essaiera à travers les 5 questions de l'actualité. Il va d'abord commenter quelques épisodes de l'actualité comme il sait bien le faire avant d'accorder la parole à un invité à qui il a posé ses traditionnelles 5 questions. C'est donc à suivre ici sur ce plateau. En deuxième partie d'émission, nous aurons Jérémy Kabamba de Strong de Kill Move. Comme chaque année, il va venir nous parler de l'anniversaire de son média, comment il évolue et toutes les réalisations qu'il y a eu lors de cette année 2023 et ce qui est projeté pour 2024 qui vient de commencer. Restez donc avec nous, ça annonce très bien ce matin, une journée où Télé 50 vous proposera également un fauteuil blanc vers 11h déjà de Kinshasa, comme annoncé depuis hier. Jean-Marie Kassamba va dérouler son tapis rouge à Guy Luando Moyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, mais également responsable du parti Agissant pour la République. Il a battu campagne pour Félix Tshisekedi, ça a marché. Il va nous raconter comment ça s'est passé pour lui à travers le Congo profond, ceci à Kinshasa, comment elle a pu s'organiser pour avoir ses quelques sièges. Avant de commencer, pour avaler la salive, comme on dit, on va passer la parole, plutôt la manipulation à Carly, qui est de l'autre côté, Capo Carly Mabiala, c'est lui qui coordonne tout aujourd'hui. Je ne suis pas avec Jocelyn Toumba, vous le remarquerez. Et il est accompagné de Dédé Sansoir, bien sûr, et de Freddy Kabengele qui ne bouge pas. Donc il va nous proposer un petit extrait qui va permettre à Rufus de me rejoindre sur ce plateau pour Escale sur le net. Bienvenue dans 50 Bonjours. Oh, dear.
Depuis longueur, aussi nous l'en ayons été. Et ça coupe ça gazeux, Thank you.
Voilà, on est rentré en arrière, très très bien en arrière là, avec ce trio, hein, magique. C'est comme ça que Carly Mabiela m'avait prévenu le matin, qu'il préparait des illustrations, des gars pour cette tranche matinale, parce que ça n'arrive pas tous les jours d'avoir lui-même aux commandes. C'est donc un vendredi exceptionnel, n'est-ce pas Rufus Lukanga qui m'a rejoint? Oui, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christopher, c'est comme vous l'avez dit, un vendredi exceptionnel, c'est aussi exceptionnel parce que tu es en veste à la matinale. C'est vrai que je n'ai jamais la veste à la matinale, tu ne me croiras pas. C'est une première. Parce que bon, même parfois quand je ne mets pas la veste au-dessus, mais au moins je viens avec. Mm-hmm. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que je me suis habillé, j'ai fini, j'ai déposé la cravate sur le fauteuil au salon. Et quand je suis sorti, je me suis rendu compte que je l'avais oublié. Donc, j'ai une cravate ici au bureau, mais j'ai déjà porté ça deux fois cette semaine. J'ai préféré... La cravate ici, donc, et Pema, l'autre salada, la veste, exceptionnellement, c'est pour aujourd'hui. Vraiment. Mardi, je retrouve une de mes cravates sur ma chemise. Vraiment. Alors, quelles sont les nouvelles? Oui, les nouvelles, comme tous les vendredis, sont bonnes, avec beaucoup d'actualités, beaucoup de sujets d'actualité qu'on va parler aujourd'hui. Mais également les chiffres à l'espace 50, comme tous les vendredis, on fait les résumés de tout ce qui s'est passé durant la semaine en termes d'émissions, magazines, journaux télévisés, les chiffres, les commentaires également des internautes qui interagissent avec nous à travers les réseaux sociaux. C'est les moyens ou les canaux, je dirais même avec lesquels ils se permettent de nous écrire pour que l'on puisse savoir ce qu'ils désirent vraiment de leur chaîne, de la chaîne qu'ils aiment tant, et leurs propositions pour qu'on puisse améliorer là où ça n'a pas tenu selon leurs préoccupations. Voilà. Je l'avais dit même déjà à l'entame, est-ce qu'il y a des sujets prévus sur les léopards? Je veux savoir déjà en avance. Non, je n'ai pas pris des sujets sur les léopards. On va parler des léopards tout de suite. Je suis énervé. Tu avais suivi le match où? J'étais un peu trop loin de la maison parce que quand je suis arrivé à la maison, il n'y avait pas d'électricité. Je me rappelle, on était ici, c'était le mercredi. Oh, oui. On a fini le journal. Mm-hmm. Je suis précipité d'arriver à la maison, il n'y avait pas d'électricité. Je me suis dit, bah, je sors quand même jusque vers Mimosa. Je vais trouver un endroit là pour suivre le match. Bon, je voulais être près du fleuve, mais vous savez, avec les inondations, notre milieu là-bas, c'est un peu compliqué. Je me suis trouvé une terrasse un peu plus, tout juste au macadam là. On était vraiment nombreux à suivre le match. Tout au début, c'était époustouflant, c'était bien. L'équipe jouait tellement bien, mais avec la première plus humilité qu'il n'est plus espoir réussi. Parce qu'il était impossible, surtout quand on a égalisé, moi j'entendais, parce que j'ai suivi ça aussi avec les gens, quelque part en ville, j'étais les noms. Quand on a égalisé, j'ai entendu un de mes vieux qui était là crier 4-1, 4-1. Abissagi Moukieto a gagné 4-1. Eric Wundina. En face, Maître Dominique Kajemba, Alex Singapé. Prédiction à capturer qui 2-1. J'avais parié 2-1, on va gagner 2-1. Ah. Et c'est Mouzali. Ça ne fait que 29 minutes parce qu'on nous a mis un but à la 28e ou 26e. Et nous, on était là à 29e ou plus tard, on avait déjà égalisé. Donc, il y avait énormément de minutes et donc énormément d'espoir vu toutes les actions offensives qu'on a eu à réaliser. Mais malheureusement, ça n'a pas donné. J'ai c'est vu pourquoi une photo publier 7 Ndeke, la Koufi, Nabatir, Moya Bakam. Il y a des actions qu'on rate pas. Je t'ai dit, Christopher, il y a des actions qu'on rate pas. Et c'est énervant. C'est pourquoi moi, j'apprécie l'équipe nationale de ces pays, on appelle Allemagne. Vous savez, Allemagne, c'est la même philosophie, la même idéologie que même Bayern de Munich chez Arango. C'est même l'âme. Oui. Ce qui va zio maillot faible, je t'ai dit, tu vas encaisser en désordre. C'est ce qu'on devait faire avec la Zambie. Brésil a Kamata 7. Je t'ai dit, c'était un match que moi j'estime facile. Parce que les Zambiens n'arrivaient même pas à arriver au dernier carré de Léopard. Je crois même pas qu'ils ont tiré. Voilà. Un tir cadré, un but. Imaginez. Et nous, on a tiré combien de fois? 25 fois. Et le jeu, n'en parlons même pas. On a très bien joué. Là, on ne peut pas le dire. L'équipe a vraiment très bien joué. Mais il fallait concrétiser cela. Moi, à un certain moment, je me disais, on va gagner avec un score fleuve. Mais je me disais, est-ce que l'histoire se répétera?
Effectivement, l'histoire s'est répétée. Avec la Zambie, on a fait match nul en 2015. Et voilà, l'histoire se répète. Et de la même manière. Bon, c'était un adversaire quand même sérieux aussi. Mm-hmm. Bien que offensivement, c'était zéro côté Zambie. Oui. Mais en défense, on a vu des messieurs comme Stopila. Stopila, il est fort. Mazembe là, il est trop fort. Il était sur tous les ballons. Hein. Oui. C'était pas du tout facile de tirer sans qu'il ne s'interpose physiquement. Quelle volonté. Notre gardien doit vraiment travailler ses sorties. Ses sorties sont médiocres, je t'ai dit. Rappelez-vous même les matchs contre le Soudan. C'était pareil. Une sortie hasardeuse, une mauvaise sortie, et ça nous a coûté cher. Pareil, nous sommes en pleine compétition, et faire ce genre de sortie, ça risquerait encore de nous coûter cher, surtout si on répète cela avec le Maroc, parce que le Maroc encaisse, ça sera très compliqué, je t'ai dit. Si jeune, non. Je sais que tu as fait deux ou trois jours sans dormir. S'il te plaît. Parce que le tigli kabote. Il faut passer à autre chose. Autre chose, c'est un match à Zambie. Et il y a Maroc. Match à Maroc. Donc, on doit vraiment préparer cette rencontre parce que ça va vraiment nous donner l'image de notre compétition. Si on fait faux pas contre le Maroc, moi je pense que. On pourra faire des calculs, mais je n'espérerai plus. Mais tu as pensé quoi des changements de l'arbitre? Est-ce que ce n'est pas arrivé un peu trop tardivement? Moi, je voyais des joueurs très épuisés sur les terrains, mais... L'entrée de Silas, qu'a-t-on pensé? Oui, mais il est entré pour quoi? Moins de 5 minutes. Oui, tardivement, oui, on n'en disconvient pas, mais les joueurs choisissent aussi. Moi, j'estime que il pouvait faire entrer l'autre buteur là, Maïlé, qui pouvait au moins faire quelque chose à la place de Banza. Bon, moi, je pense, parce que moi, je trouve que les remplaçants idéaux de Cédric Bakambu, c'est Maïlé. Cédric Bakambu a encore sa place dans cette équipe? Bon, on avait besoin de l'expérience à l'équipe nationale. C'est pourquoi vous voyez Chancel Mbemba qui est là. Vous voyez aussi Cédric Bakambu. On devait avoir une tête d'affiche, c'est-à-dire un meneur de jeu au niveau de l'attaque. Et avec Cédric Bakambu, il a fait, bon, malgré tout ce que l'on peut dire de Cédric Bakambu, mais il a fait une passe décisive. On ne peut pas le nier. Et c'était un bon appel. A effacé par toutes les actions manquées. Est-ce que sa passe-là était meilleure que la passe de Wissa? Oui, ça a couru. Je crois que c'est sur cette action-là qu'il s'est épuisé. Non, mais il a tout donné, son action également, ne nions pas, il a fait un très bon appel. Un très bon appel derrière le dos de la défense. C'est un très bon appel et de haute facture. On le voit avec des joueurs internationaux, tout ça. Il a fait un très bon appel, on ne discute pas. Et la passe était exceptionnelle. Hormis le bourde d'après cette action, tout ça, ça arrive... Bon, voyons voir ce que ça pourra donner à la prochaine rencontre. Mais moi, je pense que l'entraîneur ne devra pas changer toute l'ossature de l'équipe. Dans la prochaine rencontre, il doit garder la même ossature, peut-être de justification ou réajuster un tout petit peu en attaque, essayer un peu avec de nouveaux souffles tels que Maïlé à la place de Bakambu. Ça ne changera rien que Bakambu a fait de la peine à Ban et puis il pourra être remplacé. Même Cristiano Ronaldo en Portugal à Fanda. Et je souligne aussi l'excellent match de Gaël Kakuta. Kakuta avec exceptionnel. Avec son pied gauche là. Exceptionnel. Je m'imaginais pas. Je me disais, il a vieilli. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ancien Gaël Kakuta. Mm-hmm. Je me disais, sa rencontre sera à la limite en fait. Il jouera à la limite et il sera essoufflé rapidement. Il ne saura pas la rencontre, mais moi, je pense qu'il devait être l'homme du match. On espère en tout cas, on vous rassure. C'est vrai qu'on est en train de se plaindre. Peut-être qu'on est très exigeant avec les Léopards. Mais bon, sachez quand même qu'il y aura des troisièmes dans chaque groupe aussi.
Les trois meilleurs. Pourquoi on doit seulement parler des trois meilleurs? Nos calculs sont énormes et toujours, on se répète toujours avec les calculs. Pourquoi on doit à présent, on est encore à la deuxième journée, pourquoi on doit à présent parler de la troisième place? Projetons-nous. C'est-à-dire qu'il existe. Zala optimiste. Vraiment moins pessimiste, mais voilà. Pourquoi à présent on doit parler de la troisième place? Est-ce que tu as fait match à Tanzanie en Maroc? Non, mais parlons aussi de l'histoire. Maroc, puis dans ma compétition à Coca-Cola, peut-être à élimination directe, tout ça. S'il te plaît. Je t'ai dit. Oh. Je t'interdis. Je t'ai dit, il y aura de la magie. Ah. Moi, je crois en la magie des léopards face au Maroc. Heureusement, dimanche, on retourne dans la match, mais mon rêve, c'est classe. Vouloir ou pas, je ne saurais suivre ce match-là. Non, moi, je pense que donc, expliquons quand même aux téléspectateurs qui comprendra aussi les troisièmes, c'est-à-dire les meilleurs perdants. Il se peut qu'on puisse se retrouver dans cette liste-là, mais avec le danger de tomber sur une nation plus forte dans le tour suivant. Moi, je ne vois pas la RDC quand même quatrième. Moi, j'explique aussi aux téléspectateurs, il y a aussi la première et la deuxième place. Oh, première Néline. Hein? Première Néline. La première et la deuxième place. Battons-nous, gagnons le Maroc, gagnons la Tanzanie. On aura 7 points et on pourra être premier ou deuxième. Namoni le bara va chiffrer là. Le bara va chiffrer là. C'est comme moi pessimisme wana. Hein, vous savez, moi et là ouais ça là on a le match à Maroc, tu as dit chef d'édition. Mais là nous tu as la bien tu. Vous avez chef d'édition, tu as dit out. Mais tu as la bien tu. On a que nous tu as ba action na canal d'Afrique ça na Facebook, non? Ba action tout ça est le but. Natala qui nanda autant la zone. Non, croyons. Hein, moi, je pense, et surtout l'ambiance hein, qui règne. Croire en l'église. L'ambiance qui règne en Côte d'Ivoire actuellement en Côte d'Ivoire. L'ambiance, les soutiens. Ah, hein, c'est ça aussi. Hein, moi, j'ai vu image, hein. Une très ça belle image, une très ça belle vidéo. J'ai même mis ça sur mon statut WhatsApp. Les Ivoiriens, hier, après avoir perdu face au Nigeria, on a perdu et puis quoi? On n'a pas gagné et puis quoi? On s'en fout. On n'a pas gagné, et puis quoi, on s'en fout. Et même la vidéo de Herman Amis, je ne sais pas si tu as suivi, qui faisait danser les Zambiens avant la rencontre. Le Marocain, tout ça. C'est la bonne ambiance, c'est la bonne image. Voilà. L'hospitalité ivoirienne, ça s'est répandu. C'est la canne de l'hospitalité, comme eux-mêmes ont eu à le dire. Bravo, les Ivoiriens. Oui. Et on entend beaucoup de très bons témoignages de là. C'est l'hospitalité pour le aussi moment. Que nous avons ici. On l'a remarqué à la francophonie. Oui, moi j'ai vu à la francophonie. Alors, en train de provoquer les gens, j'ai vu les gens en train de filmer les athlètes qui couraient là, en caleçon. C'est notre côté hospitalier. Voilà notre particularité. L'hospitalité. Ouais, c'est là ma tombe. Hospitalité. Ça, c'est la provocation totale. Voilà, voyons ce que ça va donner les dimanches. Mais moi, j'espère en la victoire. Moi aussi, j'espère à la qualification des Léopards, même s'il faut que ce soit à la troisième place. Mais qu'on passe au moins le prochain tour, ce sera intéressant. Parce qu'on a une très bonne équipe. Voilà. On a une très bonne équipe. Bon, ça, c'est libre à toi d'analyser. Oui, là c'est moi qui le dis. On a une très bonne équipe. Libre à toi d'analyser. Une très bonne équipe. Avec un bon système de jeu. Par rapport à quelle année? Par rapport à l'année, aux années précédentes, aux années hormis 2015. Aux années Mazembe. Hormis 2015. Hein? Non, Mazembe. Aux années Mazembe, quoi? Les tous les joueurs venaient de Mazembe. Mazembe, moi, Mouké Vita, moi... On avait beaucoup de failles. Gladys Bokessi, mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit, on avait beaucoup de failles. C'est pas eux qui ont corrigé les gens, la CHAN, là, ils ont ramené un trophée. Non, oh, tu parles de... Il y a CHAN ou bien la CAN? Mais c'est avec l'équipe nationale, non? C'est la même sélection en a, dès après bah, qualifié Bisson à Cannes et sélection qu'on a découvert Tokenda Pinakano. Hein? Tokenda Pinakano. On est arrivé troisième, non? On n'est pas arrivé. Ah, en Égypte? Non, pas Égypte. Quelle Cannes? Oh, 2015. Guinée. 2015. Ah. Oui, c'est ce que j'ai dit, non? J'ai dit les équipes précédentes, hormis 2015. Ou encore, j'ai bien notifié en fait. Bah, l'offre, on a 2009. On a chanté, papa. Mais ça va, on a peu de bêta qui m'a passé. 2015, oui, ça va. Mais les précédentes équipes, tout ça, là, ça ne va pas. Surtout après 2015, c'était perdu.
on s'est perdu. Mais après 2015, on tire les autres. On s'est perdu. Non, mais là, on a quand même une équipe. On est encore perdu. On a quand même une équipe. On a rajeuni l'équipe avec beaucoup de jeunes, hein, de nouveaux souffleurs. Bah, on s'est bêlé. Bah, bon, moi, je suis toujours très exigeant envers les Léopards. C'est tout à fait naturel. Parce que c'est qu'on voit avec les Réals. Nous qui supportons les Réals. Moi, je suis patriote, j'aime bien. Tu sais qu'on gagne ou qu'on perde. Quand les Léopards jouent, moi, je ne mange pas. Ouais. Non, se retrouve là-bas. Émotion, Morana. Au place d'un hôtel à moi. Que les garçons ont noté. Place d'un hôtel à moi, type moi, le gars, il y a un RDCND et si ça a un gang. Na Chodina, il y a un jour, Morana Chodina qui calme, na Thompson, na Mafuta, na Mbabola. Première fois, on m'a tamé. Contre quelle équipe? Togo. Ouais, Tunisie, t'es Dédé. T'es inoubliable. Le pire match de Léopard que j'ai eu à suivre. On a mis ma stade retard. Maintenant, fait des câbles. Dans la couronne, on va rebêter. C'était terrible. On espère en tout cas que ça va s'arranger. Oui, espérons. Avant de te laisser prendre les chiffres, maintenant, on va prendre Benjamin Moudiata. Hein. Mm-hmm. Tout d'abord, qui va nous présenter la minute de l'information et on revient tout de suite après pour Escale sur le net. À la une de l'actualité, investiture du chef de l'État, l'opposition appelle à une marche populaire de contestation la journée du 20 janvier. Pour Fayoulou, Moïse Katumbi, Floribert Andoulouni, il faut que toutes les parties prenantes se réunissent pour réfléchir sur l'organisation des nouvelles élections. En même temps, 18 chefs d'État ont affirmé leur participation à l'événement marquant les débuts de son deuxième mandat, lui, le président de la République, Félix Tshisekedi. Les irrégularités constatées dans ces élections préoccupent la Cinco. Dans une déclaration ce jeudi, les évêques ont souligné la découverte d'un nombre impressionnant de votes parallèles avec les machines à voter trouvées chez de particuliers. Et pour finir au sein de l'Union sacrée de la Nation, la bataille de contentieux a démarré pour les législatives nationales. Les différents regroupements membres de la méga plateforme accusent au président de la République contestent les résultats provisoires publiés par la CENI. Merci de votre fidélité à Télé 50. L'actualité vous revient dans moins d'une heure d'ici la 50. Bonjour, continuez avec Christophe Rochokoum. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd. Voilà, de retour sur ce plateau après cette minute de l'information présentée par Benjamin Moudiata, Rufus. Je me tourne vers toi pour à présent prendre les chiffres et bien sûr quelques informations dans Escale sur la net. Voilà, les chiffres de l'espace 50, c'est avec ça qu'on va commencer. Ce qui s'est passé durant la semaine, les internautes. Comme d'habitude, vous êtes nombreux à nous suivre à l'espace 50 via numérique, nos différents comptes et pages sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter et pourquoi pas YouTube, où nous mettons en ligne tous les magazines, toutes les émissions qui sont tournées à l'espace 50 et vous avez la possibilité de commenter, de nous laisser toutes vos remarques, propositions, parce que nous prenons vraiment le temps de lire tous les commentaires pour savoir ce que vous pensez de nous et ça nous fait toujours plaisir de nous apprécier, de nous faire vos remarques et vos propositions pour que à la longue, nous puissions évoluer pour qu'on reste toujours une chaîne pacifique, une chaîne panafricaine, une chaîne simplement congolaise, comme on le dit toujours. Voilà, on va prendre les chiffres, on va commencer avec la première émission, le premier magazine de Jean-Marie Kassamba pour parler des élections, publication des résultats, le point de vue de l'opposition avec Hervé Diakhiessé. Voilà, l'opposition qui donne son point de vue sur la tenue de ces élections, les élections du 20 décembre dernier. Voilà, 15 000 vues en 5 jours pour Hervé Diakhiessé, plusieurs sujets.
évoqué, notamment la participation des candidats députés de l'opposition à l'hémicycle du Palais du Peuple. Est-ce qu'ils prendront part? Est-ce qu'ils vont siéger? Voilà, c'était toutes les questions posées par Jean-Marie Kassamba à son invité de ce jour. 217 j'aime ainsi que 98 commentaires pour Hervé Diakessé et Jean-Marie Kassamba. Voilà, on prend la suite. Le premier commentaire, user qui dit « Vraiment un plateau plus que l'Europe avec des personnalités haut de gamme. La fierté de la République, 3 toujours. » Voilà. Blaise Isanga qui dit « Bonjour, monsieur JMK. J'aime bien votre émission depuis la Tunisie. » Voilà, Blaise qui nous suit depuis la Tunisie. Merci d'être toujours connecté à l'espace 50. Et puis Zingi Wale, voilà, qui relaie les résumés des Tamils, voilà, qui nous fait toujours les résumés de plusieurs émissions pour permettre à d'autres internautes qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas pu suivre l'intégralité de l'émission, de savoir au moins les grandes lignes qui ont été évoquées durant l'émission. Voilà, il dit à la 28e seconde, contestation, on a parlé de la contestation des résultats des élections présidentielles en RDC avec des irrégularités et des difficultés pour l'opposition. À la 6e minute, on a parlé de la manipulation des dispositifs de vol et connivence dans la chaîne logistique. À la 11e minute, on a parlé de la contestation des résultats électoraux et manque de transparence dans la compilation. À la 17e minute, on a parlé de la contestation des résultats des élections et l'impasse institutionnelle. À la 22e minute, on a parlé de la contestation des résultats des élections et accusations de fraude. Et à la 27e minute, c'était les débats sur la victimisation et la présence armée chez Moïse Katumbi. Voilà, là c'était la première partie de l'émission. Et l'autre partie, à la 32e minute, durant l'émission, on a évoqué les débats sur les élections présidentielles et l'opposition. À la 37e minute, c'était les débats sur la direction politique et l'opposition au Congo central et Katanga. À la 42e minute, c'était l'opposition qui critique la répression militaire et les actions du gouvernement. Voilà le résumé des Tamis Hall. Un autre internaute, Michael Mouy, qui dit « Un homme intelligent réclame sa victoire et non l'annulation. » Là, c'est en réaction des propos de Hervé Diakessé. « Si vous avez vos PV, allez à la Cour constitutionnelle. » Là, c'est d'après Michael Mouy, voilà, qui dit « Un homme intelligent réclame sa victoire et non l'annulation. » Voilà, si vous avez des PV, allez à la Cour constitutionnelle en réaction aux propos de Hervé Diakessé, l'invité du jour de Jean-Marie Kassamba. Voilà. Après cette émission, on va prendre un autre magazine. Cette fois-ci, ça fait débat. Arlette Boutella et ses invités pour parler des législatives en RDC. Quel sort finalement pour les invalidés? C'était ça la question principale de cette émission. 17 000 vues en 5 jours de mise en ligne. Voilà, dont 218 j'aime ainsi que 77 commentaires. Voilà, pour Arlette Boutella et ses invités. Désiré Irambona qui dit « Madame la journaliste, vous attestez d'une professionnalité extraordinaire dans votre métier. Je vous en félicite et vous souhaite plein succès dans votre profession. Alain effectue des analyses qui sont intéressantes. Le professeur est caractérisé par des analyses objectives et scientifiques. C'est bon, mais quid des élections présidentielles? Ce n'est pas sincère. Franchement, là, c'est d'après Désiré Irambona. » Voilà, après lui, Wanga Idongo Ibanda qui dit « La question qui reste sans réponse est la question de savoir comment ces machines sont arrivées entre les mains de ces personnes en majorité membres de l'Union sacrée. » C'est la question que se pose Wanga et c'est la question aussi que je me suis toujours posée. Michael Malucci qui réagit « Ici au Royaume-Uni, nous n'avons pas d'irrégularité dans les élections. Le seul moyen qu'il y a des tensions, c'est lorsque les scores sont serrés entre deux candidats et qu'on recourt à un recomptage. » Voilà, il explique la réalité du Royaume-Uni. Là, c'est Michael Malucci. Voilà.
Après lui, un autre magazine, une autre émission, plateau spécial sur Joseph Kabila à éviter la somalisation de la RDC. Voilà, là c'est Jean-David Kilolo et ses invités pour évoquer cette question. Voilà, 6900 vues en 2 jours de mise en ligne pour cette émission, dont 81 j'aime ainsi que 17 commentaires pour ce plateau spécial présenté par Jean-David Kilolo. Après ce plateau spécial, voilà, Club 50 qui revient le samedi. Publication des législatives, des reports en report. Voilà, 28 000 vues pour Jean-Marie Kassamba et ses invités, comme toutes les semaines. Club 50 qui bat toujours les records. Voilà, 5 jours de mise en ligne pour ce Club 50 qui parlait également de la publication des législatives, dont 333 j'aime ainsi que 38 commentaires pour Jean-Marie Kassamba et ses invités sur le plateau. Voilà. Et Jean-Marie Kassamba, en compagnie d'autres journalistes, recevait François Mwamba, cette fois-ci pour parler de la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi. Comment consolider les acquis? Voilà les mots-clés même de la campagne du chef de l'État réélu, Félix-Antoine Tshisekedi. Consolidons les acquis. Comment consolider ces acquis tant évoqués en campagne jusque-là? Et François Mwamba était l'invité de Jean-Marie Kassamba pour répondre à toutes ces questions. Quelles sont les stratégies mises en place au sein de l'Union sacrée de la nation pour effectivement consolider les acquis évoqués par le chef de l'État et poursuivre à la matérialisation de sa vision. 11 000 vues pour cette émission en 2 jours de mise en ligne, dont 159 j'aime ainsi que 35 commentaires. On prend l'unique commentaire sélectionné. Bienvenue Kassenga qui dit « Aussi longtemps les postes politiques seront donnés aux chefs des partis politiques sans compétences requises, les problèmes des hommes, des ressources humaines seront permanents. Les signataires des ordonnances présidentielles doivent constituer les derniers verrous avant nomination. Une équipe technique, professionnelle, apolitique, technocrate doit travailler sous coulisses comme bras séculier du président avant toute nomination. » Merci. Là, c'est d'après. Bienvenue Kassenga qui apporte sa contribution sur la nomination dans des postes ministériels. Voilà. Et il y a eu cette descente sur terrain de Arlette Boutella le 16 janvier qui était à la messe et au mausolée. Voilà, 23 ans après, Mouzé, Laurent Désiré Kabila, toujours dans les esprits de tous les Congolais. Voilà, 3500 vues en 2 jours de mise en ligne de ces non-comment. Dont 57 j'aime ainsi que 6 commentaires pour Arlette Boutella dans cette descente sur les terrains à l'occasion de la commémoration de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Voilà. Et on va terminer avec cette émission de Jean-Marie Kassamba qui est recevé dans Israël, voilà, qui s'est fait remarquer à l'Assemblée nationale et par la suite. Il s'est succédé des émissions et émissions pour expliquer sa vision pour la jeunesse, pour expliquer sa vision pour l'économie de la République démocratique du Congo. Et la thématique était jeunesse et économie en RDC. Quel renouvellement de la classe politique face à Jean-Marie Kassamba dans JMK Today. 1900 vues en 1 jour de mise en ligne de cette émission, dont 26 j'aime ainsi que 3 commentaires pour Don Israël face à Jean-Marie Kassamba. Voilà. Je pense que c'était tout. C'est tout pour aujourd'hui. Ce qui concerne les chiffres à l'espace 50, tous les magazines tournés durant la semaine, les chiffres et les commentaires des internautes. Je rappelle que vous êtes toujours nombreux à commenter, mais certains commentaires, on ne les prend pas parce que tout en bas, vous insultez, tout ça, on n'aime pas les insultes. Faites vos propositions, faites vos remarques en toute politesse. On va récupérer vos commentaires et on balancera tout cela à la télévision. C'est sûr, de toutes les façons, il sera impossible de lire tous les jours, tous les commentaires. Donc c'est toujours une sélection. Comprenez que dans sa sélection, Rufus Lukanga procède de manière éthique. Donc si vous dites des bêtises, il n'y a aucune chance que nous puissions relayer ça. Parce que nous, on n'est pas relayeurs des messages de haine, d'escroquerie ou quoi que ce soit. Quand vous vous comportez bien, comme on a notre téléspectateur préféré qui aligne à chaque seconde de l'émission. Dami Al qui fait les résumés de chaque émission. Voilà, exactement. Eh bien, il a
90% des chances qu'on puisse le retrouver à chaque fois, qu'on lit nos commentaires. Évidemment. Voilà. On va prendre cette fois-ci la vidéo des transitions. La vidéo des transitions avant de commencer l'autre partie des questions. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on était dans une armée moderne et réglementaire, sans diplôme militaire, vous ne serez pas encore porteur de grade argent chef? Vous ne connaissez même pas ce que vous dites. Je suis bien précis. La question vous est précise. Que si on était dans une armée moderne, donc l'armée guinéenne n'est pas moderne. C'est ce que vous dites. Oui, à l'époque, donc, il y avait des problèmes au temps de Sémérène. Le pouvoir de Dadis n'était pas moderne. Non. C'est ce que je vous dis. Non, oui. Écoutez, au temps de Sémérène. Laissez-moi parler. S'il vous plaît. C'est d'accord. Vous qui avez posé cette question. Laissez-le répondre. Allez-y. C'est pas vous qui dites que l'armée guinéenne n'est pas moderne. Si, vous dites si on était dans une armée moderne, que Marcel n'allait pas avoir le grand agent chef. Vous connaissez le grand agent chef? Le grand agent chef te prend à quel titre? C'est quel grade? C'est à quel niveau vous employez? On vous apprend à lire, mais vous ne connaissez pas. Ça, c'est des questionnaires. Hein? Mais oui, c'est ça, regardez. Ça, c'est des questionnaires. Un avocat, oui. Il prend tout son temps à faire une liste pour lire. C'est ça. C'est vous-même. Si on était dans un pays normal, oui. Vous-même, vous ne devez pas être dans la salle. Ok. C'est fini? Non, attends. S'il vous plaît. Quel traumatisme! Hein? Il a traumatisé l'avocat. Je te dis. Mmh. Il m'a vraiment soumassoukaré. Il est vraiment à contre-carré. Tu connais l'avocat qui sort les adages en chinois? Non, non. Ah oui, oui. J'ai suivi une vidéo là. C'est qui veut dire que. C'est compliqué. Il faut toujours contrôler ses mots, ses phrases. Donc, en parlant, il ne savait pas qu'il a critiqué l'armée guinéenne. Et il a été recadré directement. Voilà. On va prendre le sujet d'autres médias. C'est que d'autres médias ont tweeté. Voilà. Là, on va expliquer ce qui s'est passé hier. Hier, c'était une suite logique des événements. Et tout a commencé par cette information de politico.cd. Qui a tweeté RDC investiture, plusieurs médias aussi l'avaient tweeté, investiture de Tshisekedi Ngobila en séance de travail ce jeudi avec le bourgmestre de Kinshasa. Voilà, après cette annonce, et s'en est suivi cette fois-ci des réactions. Et cette réaction, c'était direct, la réaction directe, c'était du VPM de l'intérieur qui directement. Comme le tweet ACP Congo, un dispositif policier a été mis en place le même jeudi, c'était hier, pour empêcher au gouverneur de Kinshasa d'accéder au gouvernorat, bureau officiel du gouverneur de la capitale de la République démocratique du Congo, où le ministre de l'Intérieur a déjà désigné un intérimaire après que la commission électorale nationale indépendante a annulé les suffrages du gouverneur Jean-Zilin Ngobila pour fraude. Violence et bourrage d'urne lors des législatives de décembre. Voilà, on a mis un dispositif militaire parce que dernièrement, il était venu dans son bureau, tout ça. Et j'avais même vu des gens qui revendiquaient dehors, il a été suspendu, pourquoi il est venu s'est présenté au bureau. Et cette fois-ci, on a mis un dispositif parce qu'il devait tenir une réunion avec le bourgmestre. Je me suis imaginé maintenant. Parce qu'il y avait la vidéo, non? Oui. Je me suis imaginé, bah, policier ou Katera qui est sali à l'époque. Oui, dernièrement. C'est sûr que le Ngoli, parce que Katera qui est sali sont différents. Katera qui est coco, salut la vidéo. La vidéo, où est l'Andiana? Qui est Ophélé. Parce qu'ils n'ont pas respecté la lettre de la suspension. La lettre de la suspension. Mais alors, est-ce qu'il devait être d'abord notifié en tant que. Des officiers commis à la garde, ou bien, comme la lettre était déjà officielle, sortie, il devait directement obéir. Sur les réseaux sociaux. Tu connais l'administration, comment elle est lente dans notre pays. Bon, je ne prends la défense de personne, mais bon, ce qui est sûr, ils ont eu quelques ennuis. Quelques ennuis, voilà. On prend la suite, et G. Coco, qu'on vient même de parler de sa vidéo.
qui assure l'intérim, a échangé avec Godempoyi, qui recommande à Jekoko Mulumba de lutter contre le coulage des recettes et l'insalubrité urbaine. Voilà, surtout l'insalubrité urbaine à Kinshasa. Les foules ou les poubelles sont partout. Presque partout, je t'ai dit. Il y a un côté d'Abisson en Boudi, inondation ça, mais inondation, mais maintenant, bah, foule. Bah, j'étais là, non, tu vois. Ah, tu étais là, tu as vu. Tu as vu, oui. Surtout vers Pompage, là, tu vois, de bouteilles en plastique. C'est plein. C'est vraiment plein, ça stagne, car Nicola Maïwana. Et j'ai vu même ce matin, bateau, bah, créer mon boîte, on a bon, bah, allons, on va bouteille, parce qu'ils ont empêché. Déplacement à la boîte ou à la boîte, on va créer. Donc, comme il va faire pour nous bêler en plus aussi. Voilà. C'est ce qu'il recommande Godempoyi pour les gouverneurs intérimaires. Mais dans l'article de la CPGV, on a quelque part mentionné c'est le VPM qui choisit. Voilà, l'article est là, qui désigne un intérimaire après que la communauté. Voilà. Est-ce qu'il pouvait aussi désigner une autre personne à part Jekoko? Non, je ne pense pas. Mais pourquoi on parle de la désignation? Je ne sais pas, mais écoutez, dans les cas les plus récents et dans notre espace géographique, au Lualaba récemment, quand le titulaire a été empêché pour des raisons d'État aussi notamment. Le vice, là, directement. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas d'où ACP pense que. C'est à Peter Kazadi de les nommer. Les désigner. Pas que je sache. Hein. Voilà. On prend la suite. Après, on prend ces commentaires de Junior Bompongo qui dit « Les tout-puissants Ngobila restent encore en fonction malgré la mesure conservatoire de sa suspension. Kazadi, que peut-on retenir des décisions du patron de la territoriale ?» Voilà, Gentil Ngobila qui a été empêché, mais... Il ne s'est pas encore prononcé parce que quand il a communiqué en image, parce que tout est communication, quand il a communiqué en image, en entrant dans son bureau, il communiquait le fait qu'il est toujours gouverneur. Voilà, espérons voir ce que ça va donner par la suite. Voilà. Camille Mangen qui dit « Ils sont trois au total et les deux, leur vice, assument l'intérim. Pourquoi seulement Ngobila ?» Voilà, les deux, on parle du gouverneur... de l'Équateur, Bobo Boloko, et les gouverneurs de la Mongala, César Limbaya, également, qui ont été suspendus. Voilà. Après Camille Mangen, on prend. Voilà. Actualité.cd qui tweet 18 chefs d'État attendus à l'investiture de Félix Antoine Tshisekedi en RDC. Voilà. Les invitations ont été lancées aux différents chefs d'État. Et quel est l'article dans son contenu? On prend Karli Mabiala. Dans le cadre de la cérémonie d'investiture prévue pour le samedi 20 janvier, 18 chefs d'État ont confirmé leur participation à l'événement marquant le début du deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi en République démocratique du Congo. Selon Serge Kabongo, responsable de l'organisation de la cérémonie, deux vice-présidents et quatre anciens chefs d'État seront également présents, accompagné des délégations de très haut niveau. Voilà, là, c'est la précision des organisateurs de cette manifestation qui aura lieu ce samedi 20 janvier, l'investiture du chef de l'État réélu en traitant la CENCO, comme le tweet politico.cd, s'engage à soutenir Félix-Antoine Tshisekedi pour la réussite de son deuxième mandat. Voilà, la CENCO. Qui a critiqué, qui a notifié les irrégularités des élections. Et récemment aussi, hein, dans certaines publications que j'ai vues, la CENCO qui a également évoqué avoir remarqué encore qu'il y a eu plusieurs voies de fraude. Voilà. Maintenant, ils sont contradictoires. En même temps, ils parlent de fraude, en même temps, ils parlent d'apporter l'aide. Ah, c'est un peu bizarre, hein, les discours de l'Église catholique. Bon, moi, je pense... Parce que même dans sa première notification, juste après les élections, quand ils ont dit qu'il y avait un candidat qui s'est démarqué, ils ont dit qu'il y a eu des irrégularités. Ils ont évoqué les irrégularités, mais ils ont dit que cela n'entache pas les résultats, surtout de l'élection présidentielle. Voilà. Mais les irrégularités, ils en réclament toujours parce qu'ils veulent que le reste même de personnalités évoquées dans les irrégularités soient sanctionnées. Échec et mat. Échec et mat, voilà.
Moteki qui dit, Moteki Ndoulé, la SENCO est membre de la société civile, elle devrait plutôt consacrer son temps à apporter conseil à la CENI et éduquer les électeurs avant les prochains cycles électoraux. Je pense que la SENCO le fait déjà parce que juste après avoir remarqué les irrégularités, ils ont été reçus par Denis Kadima pour donner leur note qui détaille tout ce qu'ils ont évoqué comme problème lié aux élections. Voilà. Là, c'était Moteki Ndoulé. Voilà. Et entre-temps, Yves Bouya, comme il tweet, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Floribert Anzuluni ont eu une réunion stratégique via Zoom jeudi. Ce qu'il faut retenir de la réunion, c'est la marche. Ils projettent une marche, une manifestation le 20 janvier à travers le pays. Et deuxièmement, ce qu'il faut retenir, Katumbi assure que ses députés ne siégeront pas à l'Assemblée nationale. Voilà. Et Fayoulou confirme qu'il n'y a pas eu compilation. Voilà, ce sont les trois points évoqués au cours de cette réunion. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que tous accepteront de ne pas siéger, comme l'évoque? Parce qu'on a vu en 2011 ce qui s'est passé avec d'autres candidats. D'autres se sont rétractés, ils ont refusé de siéger, mais d'autres étaient à l'hémicycle. Effectivement, on verra. Ça les Camerounais Kabolaka, bah autorité morale là bas, Très compliqué, vraiment. On va voir ce que ça va donner. Hein, ça va donner. Il y a même de ceux-là qui remarquent que, ouais, ils ont acquis le regroupement. Il y a qui n'ont pas parti dans la. Donc, parti dans l'Inde, ils ont siégé. Et même cette méthodologie de formation, non, des regroupements qui s'est fait à l'Assemblée nationale, tout ça. On va voir ce que ça va donner à la suite. Le 29 déjà, ouais. Je crois que ça va être l'installation du bureau d'âge avec Mbosso, Moïse Matembo. Mbosso Kodia qui revient, il y a aussi Serge Bahati qui devrait être rapporteur et le plus jeune, il n'a que 26 Moïse. Ans. Âge Moïse Matembo Toto, lui devra occuper le poste de questeur de l'Assemblée nationale. C'est à partir du 29 ici, je crois que ça va commencer. C'est le bureau qui va organiser l'élection du bureau. Bonsoir, quel âge? Alors, j'ai les dates de naissance, on va calculer 80, ensemble. 84, et puis il pourrait avoir 84, 81, 82. Attendez, juste une minute. Voilà, il est né le 7 août 1942. Ouais. Ça, c'est pour Christophe Mbosso Kodia. On est en 2024, moins 1942, 82 ans pour Christophe Mbosso Kodia. Âge, Matembo, 26 ans. Moïse, lui, il n'a que 26 ans. Donc, il va avoir 27 ans en juin. Ouais. Et Serge Bahati, par contre, lui, a eu 27 ans en novembre de l'année passée. Cette année, il va avoir 28 ans. Voilà, le jeune. Voilà, on va voir ce que ça va donner avec le jeune à l'hémicycle. Tout à fait. Ce sera une très belle expérience. Oui. Hein, en tout cas, en plus, quand tu te retrouves. Surtout des nouveaux visages. Moi, ça me fait du bien. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui changent. Oui. C'est vraiment une manière de nous représenter aussi. Mm. De nous représenter, surtout nous, les jeunes. Quand on voit un jeune, on a d'abord de l'estime, on a d'abord beaucoup de considérations parce qu'il est jeune comme nous. Mmh. On espère que ce qu'il fera, ça sera à la portée des jeunes. Tout à fait. J'ai vu que Karim est bien là, à Zonissima. Je ne sais pas comment expliquer. Non, à Zonissima, les commentaires. Oh, ça, on avait déjà lu? Non, on ne l'a pas encore lu. Ok. Voilà, Elvino Ilunga qui dit, qui va leur donner l'autorisation des marchés? Ce n'est pas eux qui gèrent la ville. Faire une marche les jours de l'investiture du président, c'est déclarer la guerre. Là, si vous vous faites arrêter pour trouble public, personne ne pourra vous tirer de là. On parle bien des manifestations pacifiques. Pacifiques, quand même. Voilà. Elvino Ilunga. Après lui, Bertin qui dit, entre eux qui réclament quoi? Et est-ce que Moïse ou Martin qui réclame la victoire? Là où on les attendait à l'unité, ils n'ont pas pu. Nous constatons juste la comédie qui ressemble à Vie de loin. Bon, là c'est d'après Bertin qui donne sa contribution pour elle et pour lui. Parce que maman, il faut tellement moi aussi. Bertin. C'est peut-être son enfant. C'est peut-être son enfant. Peut-être. Mais il y a aussi des femmes qui portent le nom des hommes.
Bertin, quand même, j'avais jamais entendu avant. Est-ce qu'on a eu mon Charlie, il y a moins. Ouais, Charlie a ça. On a peine à vivre. Na ité na y grec pena. Oui, on a vu bon. Bazar de Charlie bazar. Ah bazar. Ok. Voilà, là c'est d'après Bertin. Voilà. Benjamin Wumba qui tweet. Voici quelques villes en dehors de la RDC ayant des avenues portant le nom de Patrice Emery Lumumba. On parle. Wow. Dar es Salaam. J'ai bien choisi parce que le 16, hein. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le 17. D'abord, le 16, c'était Laurent Désiré Kabila, héros du peuple. Et ensuite, le 17. Le 17 avec Patrice Emery Lumumba. Il y a beaucoup de gens qui ne mesurent pas la grandeur. La grandeur de cette personnalité. Et donc, c'est bien de rappeler des telles choses. Oui. Je te laisse lire la liste de tous ces pays qui sont en admiration. Ça, et ça, c'est qu'en Afrique, hein? Ah non, Allemagne. Dans le monde, parce qu'il y a aussi des pays européens, hein? Il y a aussi des pays... Ça, on parle seulement des avenues, mais il y a même des universités. Il y a même des universités, voilà. Pour exprimer vraiment la grandeur de la personne et la reconnaissance. Peut-être bon nombre de Congolais se disent, ben, à l'époque, nous, on n'était pas là, on ne sait pas en réalité ce qui s'est passé. Mais quand il y a cette reconnaissance, il faut voir la grandeur. Parce que les Européens, quand ils donnent des avenues, ce n'est pas à n'importe qui qu'on pourra donner le nom d'une avenue et une avenue reconnue quand on donne à Patrice Emery Lumumba comme ça. C'est-à-dire, son combat a été digne et ça a été reconnu dans le monde entier. Voilà, la liste qui donne Dar es Salaam en Tanzanie, Kampala en Ouganda, il y a une avenue également à Bujumbura au Burundi, Addis Abeba, Éthiopie, Leipzig en Allemagne. En Allemagne, il y a aussi une avenue Patrice Emery Lumumba, Enugu au Nigeria, Lusaka en Zambie, au Congo-Brazzaville également, Nairobi, Kenya, Accra, Ghana. Et il y a Maputo, Mozambique, voilà, il dit veuillez compléter la liste. Et les internautes ont également complété la liste avec des images d'autres pays que lui n'a pas évoqué dans la liste. Et cet internaute en premier, Jossi Moukoko, qui parle de l'Égypte. Voilà, grande fut ma joie un jour de tomber, et Tunisie, pardon, grande fut ma joie un jour de tomber sur cette pancarte en son honneur. À Tunis, près des Monts Fléré, voilà, rue Patrice Lumumba. Là, nous sommes en Tunisie. Et Bitaa qui parle de l'Égypte. En Égypte, il y a aussi une avenue Patrice Emery Lumumba. Et Franck Kaseya qui parle aussi de la Belgique. La Belgique également, qui a une avenue Patrice Emery Lumumba. Voilà, un autre internaute qui a complété la liste. Kata qui parle de l'Angola. En Angola, il y a une école consulaire Patrice Emery Lumumba, voilà, qui enseigne des élèves aussi là-bas. Là, c'est d'après Kata Ex Yalabaye. Voilà, Kata Ex Yalabaye. Kata Ex Yalabaye. N'attendez que vous tenez, on a des cigouins. Quand bien, l'on passe. Voilà, il y a eu des avenues, hein, même en Suisse. J'ai vu d'autres internautes évoquer des avenues en Suisse, des avenues en Pologne et même en Russie. Et une avenue Patrice Emery Lumumba, ça exprime vraiment la grandeur de notre héros national. Voilà. Tout à fait. Lwariba Moussimoa, maître qui tweet, en RDC, il y a RTL, Africell et les autres, mais il y a surtout Multicell et NZTCell. J'aimerais bien comprendre pourquoi il dit ça. Voilà, on suit la vidéo. Et bien évidemment, sur... Voilà. Shabani ule shawazi, shabani ule wananiambia bibi yangu iko maladi, wende kwanza ukayue habari. Bonjour mona. Ya zolo bawa. Oye, comme le cola singa antenne, ya zolo bawa. Est-ce que bonjour mona? Bonjour mona makamona, zo mona wa. Paul, bonjour mon ami. Azo loba awa moto mshale pa kuna bazu. Za clavier kanga yema. Hein? Oh, OK. Pa potiche ano asi sa kunyu chuma na diholo otinyu tu za clavier. Mama otaka. Allô? Ata di croche ko. Bibi joto pa kata to. Michel, pa junior alende. Allô? Divine, moi, des pages junior, m'embola pages junior, on dirait
Apa junior lende. Baba les routiers. Apa junior lende na omende. Apa junior lende na. Allô. Est-ce que besoin mon amakamu na zo Apa junior yo même ama onde. Allô. Baba les routiers allez au kupori. Niko nasikia tumbo kama iko na kuluma, inafaa uende kwa umuite irondele ya kuandikie madawa purke bakutunze, umuite irondele. Wewe umwambie andike madawa purke bakutunze, njo juu ya nini? Misa nitakuya, batatosha makuta batakupatia, umuite irondele. Ekei. Ah, bandeko. Boye. Ekei, frère. Allô. Combien, hein? Eh, usikose kumuita irondele. Est-ce que besoin mona makamu na zo mona? Irondele ya kuandikia tu ile madawa. Ah, waiza. Bazo benga. Incroyable. Comment justifier ça, ce que ça? Haute technologie, tu as Kindoki. Mais ils n'ont pas de choix. Soit haute technologie, soit haute sorcellerie. Hein? Ils n'ont pas de choix. Ils cherchent les réseaux. Mm. Ils cherchent les réseaux. Et ils ont remarqué un lieu d'attraction où peut-être au Tien Zété, Réseau Zouaka. Et tous les villages, je crois que c'est un village, parce que même dans les commentaires, certains internautes ont évoqué des villages. Hein, je pense que c'est un village au fin fond Mais du Sankuru. Mais c'est écrit, Sankuru. Mm. Oui. Un village au fin fond du Sankuru. Et même par la manière de parler, ainsi ouais, comme ouais. Nos frères du Sankuru parlent. Voilà, t'étais là. Voilà. Au fin fond, ils ont créé un centre d'attraction où tout le monde vient dans Nzete Naye. Là, le réseau, au moins, ça tient. Mais il faut Nzete Zalro, l'antenne. Donc, c'est très, très compliqué pour nos frères de là. Au coup, c'est les cataphonies. Parce qu'à l'époque, des Yabafonies, c'était... Et il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret. Si tu demandes de l'argent, si tu fais quelque chose, tu parles, quelque, tu dis quelque chose de secret. Alors, un voisin, vous voyez bah, déjà qu'il y a, il y a aussi un gars qui m'a tout, les pommes dans un Kinshasa, ou bien dans un Lodjaville, ou le Sambo, tout ça. Il saura ce que tu demandes. Et il se pose au comploté local, donc. C'est compliqué. Voilà. Je pense que même les autorités, même les services de télécommunications ont vu la vidéo et ils savent quoi faire. Ils savent quoi faire dans ce milieu parce que c'est vraiment l'antiquité. On doit évoluer dans ce genre de milieu. Voilà, Centrale qui tweet, nous faisons l'appel aux autorités suite aux odeurs nauséabondes à Delvaux. Voilà, l'HVK a autorisé depuis 5 ans ces camions d'aller jeter les immondices à l'arrêt maternité à Delvaux en face de la grande maternité de Binza. Il y a des écoles dans les environs des églises et des églises. La population demande aux autorités de trouver la solution. Tu es déjà passé par là? Delvaux maternité? Oui. Ouais, mais Kouta très vite en voiture. J'étais dit... Les places digitales, là, on a qu'à là, non? Ouais. J'étais très vite dit, mon frère, sur Télémiwana, où ça attaque 5 secondes. Mais ce n'est pas le seul endroit, parce que même après maternité, à Kitambo aussi. Mmh. Tu vois, maternité qui tambo, sauf ça, il y a toujours une GB. Même là aussi, il y a une odeur très bizarre. Je te dis. Très bizarre. Et ce qui inquiète encore, il y a les gens qui vendent. Donc, Bazarawan, Bamou Soluan et Koma. On dirait que si tu es sur place, au Yogangote, comme Mutazon et l'odeur est naturelle. Voilà, vraiment, si les autorités font vraiment un effort pour cette situation, ça serait une bonne chose. Parce que juste en face, maternité Zawana. Imagine des nouveaux-nés, des bébés, tout ça. Abimi, l'hôpital, maman, maladie. Ah, Nzambe. Abimi, koute, mais quand on a un ami, on a agi malade. Et quand tu as dit l'hôpital, solo. Je t'ai dit, parce que si tu entres en avenir, il y a en face, parce que moi, j'y vais souvent, na ngambo, en avenir. Madame, tu as raconté, non. Cercle, mon réseau, Kawan. Moi, espace okay, créatif. Cercle, madame. Non, j'y vais seul. Tu vas jouer seul. Pas jouer, ils ont moi, ma terrasse. Ils ont pas mon créatif. Oui. Ils ont quand même qu'on jouait. Non, mais pas de ça. Mais moi, je ne sais pas si je suis tombé à ma boucle. Tout ça, c'est un enclos.
dans l'enclos. On a une vidéo, on a un cala. On a cala. Donc, mais de fois, si vous faites du wana, vous sentiez vraiment, il y a une odeur. Imaginez que le cercle est un peu distant de la maternité. La maternité est vraiment en avant, près du macadam. Donc, avec les enfants, c'est compliqué. Patrick Kalenga qui dit, mais ils sont en train d'enlever ça. J'ai remarqué hier, quand je suis passé par là, message et komaki namato inabango. Voilà. Si c'est le cas, c'est une très bonne chose. Debelo qui dit, mais fuluana mutu e kanga kalibuluana. Tout ça, la choix entre libulu na solo. Parce que, oui, parce qu'il y a. Sur le côté, tu connais bien du Ravin, je ne sais pas si tu connais bien Delvaux, mais Roger est tellement ébellé. Tellement ébellé. Et à cet endroit, tellement érosion et avança tellement trop que foulo bah comment reboaka et comment un peu qu'on retardait. Parce que si on ne faisait pas ça, il y a un mati makadam. Maintenant, il faut faire un choix entre enlever les immondices, érosion et poussani et bimi, ou garder avec les odeurs, vivre avec les odeurs et empêcher l'érosion. En tout cas. Ou bien les autorités. Quel dilemme. Ou bien les autorités doivent trouver une autre solution, peut-être mettre des sacs, tout ça. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Voilà, quel dilemme. Savoir du monde qui tweet, un homme a découvert qu'il est une femme à 66 ans. Tu peux imaginer ça. Non, le bon amateur. Quand j'ai vu ce tweet, je me suis dit, peut-être c'est une blague du savoir du monde. Tu allais vérifier? J'ai cherché, j'ai trouvé un article de Europe 1. On prend l'article, voilà, Europe 1 qui tweet, c'est Hong Kongais qui souffrait de l'abdomen, a découvert qu'il avait des ovaires. Il ne sont que 6 cas dans le monde à souffrir de ces deux maladies. Un Hong Kongais de 66 ans souffrant sans le savoir d'une maladie génétique rare a découvert qu'il était une femme. C'est en allant consulter un médecin pour de simples ballonnements qu'il a fait cette découverte. Voilà, et l'article ajoute un micro-pénis et une barbe, c'est ce qu'il a. Les médecins se sont aperçus que ses sensations d'estomac gonflées était dû à un gros kyste sur les ovaires du patient, doté d'attributs mâles extérieurs, dont un micro-pénis et une barbe, a précisé le journal scientifique publié en début de semaine. Ils ont diagnostiqué les syndromes des tumeurs, une maladie génétique rare, environ un cas pour 2500 à 3000 naissances des petites filles, dont les principaux symptômes sont une très petite taille et la stérilité. Et l'article qui ajoute des sécrétions d'hormones mâles, mais les patients souffrent également d'hyperplasie congénitale surrénalienne qui entraîne la sécrétion anormale d'hormones mâles et donne à l'individu qui en est atteint les apparences extérieures de l'identité masculine. Voilà, les apparences masculines, mais à l'intérieur, c'est une femme. Les médecins affirment qu'il n'existe dans le monde que 6 cas connus de personnes atteintes de deux maladies. S'il n'avait pas présenté un gros kyste ovarien, son état médical particulier n'aurait peut-être jamais été détecté. S'il n'avait pas manifesté ces gros kystes, on n'allait jamais savoir que c'est une femme. Voilà, là c'est selon un collège de 7 praticiens au Congo cité par la publication. Voilà, et l'article qui termine, le média qui termine dans son article, l'homme, un orphelin d'origine vietnamienne, mesure 1,34 mètres. Il ne possède pas de testicules d'abord. Bon, moi je pose la question, quand il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de testicules, il devait déjà se poser beaucoup de questions. Souffre d'incontinence urinaire depuis l'enfance et a cessé de grandir après la puberté à 10 ans. Il a décidé de continuer à se considérer de genre masculin avec une possible prise à l'avenir des testostérone. Voilà. Là, c'est d'après le journal qui relaye Europe 1. Voilà, c'est à 66 ans qu'il s'est rendu compte qu'il était une femme. Et moi, je me pose la question, durant toute cette période, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'amis, parce qu'il a 66 ans quand même. Bon, comme on est en train de dire, orphelin d'origine vietnamienne, bon, peut-être que Azaki...
Navinera Bongo Bongo, il n'a jamais rien tenté. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais je vois qu'il a décidé de rester un homme, quand même. De se considérer masculin. Voilà, des cas rares. Voilà, une révélation. Voilà, on va terminer avec quelques vidéos. On commence avec cette première. On suit des compétitions ici dans notre pays, mais il y a aussi des compétitions à couper le souffle. On suit. On suit. Lonely, I'm so lonely, I have nobody to call my own. Lonely, I'm so lonely, I have nobody to call my own. Lonely, I'm so lonely, I have nobody to call my own. Lonely, I'm so lonely, I have nobody to call my own. Oh, peut-être un de mon souci. Tu as vu l'action du juge là, on se fait la donc, il y a les qui l'a eu. Donc, mais c'est toi d'abord, toi, Mbimi Nandaku. Tu t'es dit que j'ai une voix qui peut convaincre. Non, mais après, il y en a qui viennent faire ça expressement. Parce que, attends, on a... Mais c'est pas parce que à la télé, ça, je t'ai dit. Mais il y a des gens qui n'en ont rien à faire. Tu vas t'humilier pour rien inutilement. Pour que les canards TV. Peut-être, on peut savoir mon aura à la TV. Peut-être. T'as la table de bonheur. Voilà. Donc, ils ont les Kélaï. Donc, tu sors de chez toi, au niveau qu'il y en a qui compétition, je vais convaincre les jurés avec ce genre de voix. C'est compliqué. Voilà. On prend une dernière vidéo pour terminer cette fois-ci. Toi qui es encore chez les parents, qui reconnaît cette vidéo, il faut quitter la maison. Il faut quitter les toits familiales. C'est la légende que j'ai vue dans cette vidéo. tu reconnais? Non, pas du tout. Oui, du monde. Ah, où t'as le dessin du métier? Si, mais ça, je m'en souviens pas. Non, Kid, non. Quand il y a des ténas pour toi? Si, ils ont encore des ténas, non? Ils ont encore des ténas. 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 Ils ont encore à l'époque là, dans l'ancien temps. L'ancien en tout temps. Cas, moi je ne connaissais pas. Mais dans la légende, on a dit, si tu reconnais cette vidéo, si tu es encore dans le toit familial, il faut quitter. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça date de très longtemps. Et moi j'ajoute, pour quitter, il faut aussi avoir les moyens. On ne peut pas quitter pour quitter. Pour répondre, tu as là, tu as envie de répondre. Je réponds, oui. Pour quitter aussi, il faut avoir les moyens. On ne quitte pas pour quitter. Tu vas quitter pour aller où? Pour te retrouver à la belle étoile? Non. Voilà, c'était la légende pour aujourd'hui, Christopher Ochoco. Merci beaucoup, Rufus Lukanga. On va se séparer pour prendre les 5 questions d'actualité de Jean-David Kilolo, qui va commenter l'actualité et nous présenter aussi son invité. Merci beaucoup pour merci le beaucoup show à vous. Ce matin. Et bonne chance à toi lorsque tu suivras le match des Léopards dimanche. Dimanche, oui. Voilà, on souffle un tout petit peu avec Carly et on revient. Yo, Akon. What up, D?
You coming to what, man? Nah, I got a lot on my mind, man. I'm gonna let y'all go ahead, man. All right. Come on. All right. All right. Hi. Let's do it. Yo, this one here goes out to all my players out there, man. You know, that got that one good girl, dog, that's always been there, man. Like, took all the bullshit. But then one day she can't take it no more and decide to leave. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody. Let you walk right out of my life. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side. What really hurt me is I broke your heart, baby. You were a good girl and I had no right. I really wanna make things right, cause without you in my life, girl, I'm so, so lonely. Mr. Lonely.